Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 18ème épisode de Pokémon Road Under the Challenge. Donc là, on se fait pas interrompre par le Pokébip là. Et donc on va aller directement à l'arène. Ok, quelque chose d'invisible bloque la voie, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas du tout. Donc, on va y aller. Donc, petit piaf et poliment. J'aime pas dire as, c'est juste pour un jeu de mots, mais bon. Ouais, donc, puisqu'on peut pas y aller à l'arène, je propose qu'on aille à la suivante, la 7ème. Même si c'est un peu bête, on y va. J'aurais dû mettre le bon Pokémon au début, c'est-à-dire Petit Piaf. Et puisqu'on peut pas battre la 6ème arène, à quoi ça sert de entraîner un Polymon? Voilà, Roselia est tombé KO. Polymon monte au niveau 32. Je lui laisse le multi-parlance au cas où pour si ça se débloque. Heureusement que Roulade c'est une attaque qui commence assez faible. Par contre le prochain ça va être 30. Il faut voir que si vous commencez une roulade, vous êtes bloqué dessus et donc vous pouvez pas utiliser de potions ni de... Bon, nous, on n'a pas le repotion, mais les autres stratégies n'ont pas le droit de le faire. Voilà. On va le prendre et on va le tenir à casse noire. Je vais y arriver, casse noire. Une casse noisette. Mais pas d'hyper potion, mais vas-y. Oui, bon, voilà. Et donc, là on y va tranquillement. Voilà, là, 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 là. Ils sont niveau... niveau 27, je crois. Et bah non. Ils ont monté de niveau. Ils savent vrai. Donc, duel et double pied. Voilà, donc là, one shot, non mais pas. Bichot. Un grand boom qui frappe assez fort pour un Pokémon. Mais ça va. Duel et Rambo et KO. Donc je sais pas trop ce qu'il faut qu'on fasse. On a battu les sœurs. Ah tu as 5 personnages, ouais je suis un sacré personnage, je vais te montrer. Qu'est-ce que tu penses? Non, j'ai pas envie. Je connais toujours pas le mode Aslock. Mon Pokémon est fort, il est tien. Alors j'en ai 1, 2, 3 et un tout petit quatrième qui sont verts. Sinon les deux autres ils sont en pleine phase d'entraînement. Je t'envoie mon troisième plus fort. Ah bah, t'avais qu'un seul Pokémon? Bon bah tant pis. J'aurais dû envoyer mon plus fort. Donc on l'a enregistré, ouais ça sert à rien mais bon.
faisait longtemps. Il y a quelque chose ici, tu ne peux pas le voir, n'est-ce pas? Et si j'utilisais cet appareil? Plutôt que de t'expliquer, je ferais mieux de te montrer, ce serait plutôt sympa. Non, ils sont pas prêts à me battre. Attendez, il faut que je regarde chaque... Non, ils sont pas prêts à se battre. Il faut que je rencontre un Pokémon dans la zone. Bon, puisque un Kecleon, c'est mauvais. Je sais que c'est un Kecleon et je préfère un Medina qu'un Kecleon. Et surtout qu'on peut tomber sur du Tropius, du Linéon, du Absol ici. C'est vraiment énorme ce qu'on peut tomber là-dessus. Minable. Bon, je fais aile d'acier, si tu survis, bah t'es pris, d'accord. Non mais vas-y, vas-y, tu vas me... Et donc, on commence par envoyer Polémon. Pourquoi j'envoie Polémon? C'est parce que... Il va pas me faire chier comme ça, ouais. Donc Super Ball. Et hop, hop. Donc je vais l'appeler... Kedomister. Ouais, pourquoi Kedomister? C'est simple, c'est... Bah mystère comme mystère, mais cadeau mystère parce que c'est un truc qui est arrivé dans la quatrième génération. J'ai jamais compris comment ça marchait et c'était assez pas mal. Cadeau mystère. Bon. Missy, mystère. Bon. Non, il n'y aura pas les... Ah merde, j'aurais pu mettre un O au lieu de E à U et mettre les trois autres lettres. Bon, tant pis. Je vais envoyer Polémon qui va faire un... qui va se faire un... Non. Mais le G qui va se faire un plaisir de exploser ce Cléon. Et je vais mettre un antidote. C'est chiant, je voulais faire... La reine à cet épisode sans avoir de problème avec... Je voulais vraiment enchaîner arène sur arène. Oui. Le Pokémon est effrayé. Et il attaque. Et que va être ce Pokémon? Un Kecleon. Mais c'est monstrueux, c'est un Kecleon. Il se transforme en type combat. Ah oui, combat c'est simplement efficace contre combat, j'avais oublié. Donc je vous ai dit n'importe quoi l'épisode où on en avait aussi rencontré un. Ok, on s'affrontera la prochaine fois. Alors, dans Ruby et Saphir, c'est le maître de la lune. Et dans Emerald, vous pouvez le battre après battu la lune. Je sais plus exactement où il est, mais il a des Pokémon environ au niveau 70. Donc, en gros, même avec les avantages du type que j'ai, qui s'avère être assez limité du style le jeu de type combat, mais il a que des Pokémon de type proche et voilà, donc niveau 70 c'est pas possible là. Et je crois qu'on le... Par contre on le rencontre plutôt au niveau de la 7ème arène. Je vais pas vous spoiler où exactement, mais on le rencontre et il a des Pokémon niveau 40.
Luna utilise le... Et s'enfuit, voilà. T'as raison de t'enfuir. J'aimerais pas un autre combat avec toi. Mais j'aurais pu en attraper un si ça avait été bon dans cette zone en fait. Bon, on laisse tomber et on y va tranquillement. Surtout qu'on pourrait attraper le fossile, mais le fossile ne sert à rien et il ne servira à rien du tout. Par la suite. Donc, Pokémon, on envoie poliment. Qui va se faire un plaisir d'éliminer toute cette arène. Ah oui, je m'en rappelle. C'était des petites énigmes comme ça. Genre tout le long. Ouais, c'est marrant, c'est je pense que c'est la première arène avec des énigmes dans Emerald, non? Si je me rappelle bien dans la première arène, non. Dans la seconde arène. Dans la seconde arène, non. Dans la troisième arène. Si, il y avait quelques petites énigmes, mais c'était rien du tout. C'est un peu comme ça. Dans la quatrième... Non, c'est juste des chemins au bas. Juste dans un labyrinthe. Alors que ça... Ça crée sens quand même. Ah merde, combat du haut. J'espère que j'ai bien mis le bon Pokémon en deuxième position. En plus, ils ont plein. Un Tilton et deux duos. Ponyman et M2. Donc, si je fais double pied sur deux duos, ça va le passer. Étant de type vol normal. Les Pokémon de type vol ont souvent des seconds types du style normal. Et du coup ça leur fait perdre la faiblesse, la résistance face au combat, ce qui est assez bête. Puisque c'est un peu leur principale utilité. Là... Armure plutôt résistante. Normalement, Amel de G devrait subir un coup. Il devrait pouvoir résister à un coup. Niveau 40, j'ai 13 niveaux d'écart. Il devrait pouvoir résister. Voilà. Ça sert à rien de faire trop de hate d'affilée. Trop sa vitesse, tu finis par perdre un tour. En général, monter ta vitesse, ça permet de gagner un tour. Casse-noix mode au niveau 23, donc ça va. Tropius et on voyait. On fait pied brûleur et normalement ça fait mouche. Ça brûle et ça fait mal. Bon. Voilà, ça passe bien. Donc normalement l'arène devrait pas trop se poser de soucis. Il suffit d'avoir le bon Pokémon deuxième. Je cherchais le bouton start, donc il est là, petit piaf. Casse-noix, je vais te reprendre le multi-expérience de toute manière, tu seras pas assez bon niveau pour nous servir. Mmh,
Moi je dis j'aime bien les combats duo, ils se positionnent exactement pour... On est obligé d'en avoir. Pour qu'on soit obligé d'en avoir. Donc, Edel et Dodio. Niveau beaucoup plus gros que la dernière fois. Polémon qui résiste bien à chaque coup. En particulier, il a une résistance x4 au type vol. Ce qui est énorme. Il peut tranquillement tanker l'équipement, je crois. Puisqu'il est le plus rapide, et donc il a une attaque d'efficacité x4 sur l'équipement. Le seul Pokémon qui devrait poser problème, c'est Altaria et son armure à la championne de dresseur d'arène. J'avais jamais vu de Zatune dans cette arène. J'ai quelques peur sur ce qui va arriver par la suite. J'espère que ce sera pas du niveau 34-35 qui va nous tomber dessus. Je sais pas si on a récupéré un aimant. Ce serait bien si on avait un aimant. De donner un objet à notre Pokémon. Est-ce qu'on a Total Swamp? Non. Bon bah on en a pas. Voilà. La question ne se pose même plus, on en a pas. Alors tu le sais hein. Je sais quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que. De quoi tu veux me parler? Polémon arrive et envoie dans celle. Tropius aussi devrait nous poser quelques problèmes. Mais normalement, au total, on est tranquille. C'est possible qu'il y ait un mort dans cet épisode, mais on perdra pas immédiatement, ça c'est sûr. En tout cas, là, il n'y a pas de problème, on y va. Donc l'énigme pas très compliquée. Juste quand vous êtes un peu jeune, ça peut... Ça peut paraître difficile, mais bon. Voilà. Donc, on va battre la reine. Et donc, on va subir. Altaria, ça va faire mal. Tilton, donc là, niveau 29. On commence tranquillement. Facilement. Donc lui, pas de problème. C'est ce qui va arriver par la suite qui va me poser problème. Donc non. Non, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? En plus paralysie, vas-y. Je sais pas pourquoi, mais c'est avéré que j'ai eu la bonne mais au bon moment. Attaque vitesse augmente. Bécitreuse, j'y crois pas.
Non, deux au rang, ça va. Attaque défense, attaque vitesse augmente. Donc normalement là au prochain coup on est mort si s'il y a faut espérer qu'il y a un coup de critique là. Ce serait vraiment génial. Au secours, non. Hyper potion, vas-y. Hyper potion au mauvais moment. Aéropic qui tue le Pokémon. Vas-y, non, séisme. Non, vas-y, vas-y. Oh non, mais rate ton attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'envoyer Champifié, mais ça va rien changer. Mais vas-y, ton paralyse-toi au moins. Voilà, post-sport. C'était exactement ce que je voulais. Et donc j'espère qu'il est assez rapide. Pourquoi j'ai fait double pied? Il est paralysé, ça va, pas de problème. Paralyse-toi, vas-y. Oui, on a eu de la chance. Oh, la chance! Oh, la chance qu'on a eue. Si tu fais pas un aéropic, ça va. Non, vas-y, j'ai oublié qu'elle avait une super défense. Non, on est mort. Bon bah... Ah, c'est pas possible. Casse-noix, bon bah... Je pense qu'il faudra qu'on... reparte de zéro avec les Pokémon qui nous reste. Bon bah voilà, morsure. La dernière morsure de casse-noix. Donc écoutez, je vais vous laisser là-dessus et je vais regarder les Pokémon que j'ai dans mon équipe, dans le PC, puisque tous les Pokémon de l'équipe sont morts. Et donc ça va dans la boîte, il y a de quoi refonder une équipe. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, regarder les prochaines vidéos et bye.